avec l'homme, qui est nécessaire pour que les deux puissent communiquer. Oui, mais cette interface, c'est lui. Si je prends maintenant un écran d'ordinateur, je suis en train de parler maintenant avec ma grand-mère par webcam. À aucun moment, je pense que ma grand-mère est dans l'écran. Par contre, quand je parle à Yudke Vavke, je parle à Dieu directement. Sa face égale lui. Là, tu me regardes maintenant. Est-ce que je suis vivant? Qui te parle? Moi. Moi qui te dis moi, il est où? Il est là. Mais en vérité, il n'est pas là. Mon moi, c'est quelque chose de spirituel. Tu ne vois pas, que tu ne saisis pas. En nous, peut-être aussi un peu au-dessus de nous, il y a un peu de tout. Il y a une partie en nous, une partie au-dessus. Il y a beaucoup de choses de nous. On ne sait pas ce que c'est, nous. Il est en nous. Mais en tout cas, c'est pas ça. Ni ça. Ni la voix qui sort. Ça me pose une trompette, ça, des cordes vocales, c'est un objectif de photo. Et pourtant, tu parles à l'objectif de photo, tu parles à la trompette, tu parles au micro. Ça, c'est pas nous. Alors que vous dites que Yudke Vavke, c'est Dieu. Pourtant, quand tu discutes avec moi, tu t'adresses à ça. Donc, qu'est-ce que t'en déduis? Bien que ça, à la base, c'est pas nous. C'est une partie de nous. Hein. Ça nous appartient, on va dire. Ça nous appartient. Quand tu t'adresses à moi, tu considères que ça, c'est moi. D'ailleurs, tu penses, j'entends pas le bras de Jean-Charles, maintenant, je passe par lui, hop, ça monte maintenant, ça arrive là-haut. Non, tu parles à moi. Et je te réponds. Bien que si tu réfléchis bien, tu verras qu'il y a quelques dizaines de kilos de chair. C'est pas ça, Ron Chaya. Ni Jonathan. Donc on n'est pas un, nous. On n'est pas un. On est un peu un. Si, écoute-moi bien, c'est-à-dire, on est un peu un, c'est-à-dire qu'on est uni. Quand tu t'adresses à moi, tu parles à ce que tu vois, sachant bien que ce n'est pas que de la chair, qu'il y a aussi mon moi intérieur qui est là. Donc quand tu t'adresses à ma chair, tu t'adresses à une entité qui est les deux à la fois. Mais tu peux faire, au niveau conceptuel, faire la scission, dire il y a une partie qui est matière et une partie qui est intérieure qu'on ne voit pas. Et l'intérieur s'exprime par la matière. Donc c'est un, mais c'est un peu un, parce que tu arrives à faire une scission entre les deux. Dans la divinité, c'est tellement un qu'il n'y a plus de scission. Quand tu dis Yudke Vavke, ça ne peut pas dire que c'est un morceau, c'est une interface, comme tu as dit, c'est un écran, d'ordinateur par lequel je parle à Dieu, parce que ce n'est pas un écran. Le nom de Dieu, Yudke, ce n'est pas qu'un écran, c'est vraiment la divinité qui s'exprime, c'est elle. Mais on ne peut pas dire qu'elle s'arrête à là, parce qu'elle n'est pas finie, elle n'a pas de nom, la divinité. Elle est beaucoup, beaucoup plus haute. Mais la partie haute s'unit complètement avec la partie plus basse, qui s'appelle Yudke Vavke. Dieu crée une facette, crée une image, qui est lui. Ouais, ce que je comprends bien, c'est un peu comme la chose en soi, que je veux roux, il est en soi infini. Voilà. Mais maintenant, il y a un peu de roux, comment nous on le voit, c'est-à-dire, la chose en soi et la chose pour toi. C'est, nous on passe à comme voilà. Ça. Voilà, pour lui-même, il est ce qu'il lui. Maintenant, quand lui, il veut se manifester vers nous, alors il prend des outils qui peuvent être en relation avec nous. Et là, on en déduit tout ce qui est marqué dans la Torah. Dieu veut, Dieu est en courroux, la main de Dieu, l'oreille de Dieu, le nez de Dieu. Il n'y a pas de nez, tout ça. Alors tout ça, ce sont des images de voies de conduite que tu as appelées comme chesed, la bienfaisance, la miséricorde, la rigueur de Dieu, la splendeur de Dieu, la royauté de Dieu, tout ça, ce sont des voies de conduite qui sont relativement matérielles, vu qu'elles ne sont pas dans l'infini, vu qu'on leur donne un nom. Mais elles sont complètes, elles font une avec la divinité. Alors, comment on doit comprendre quand toi on dit que Moïse a vu la hanche de quelque chose? La hanche, je ne connaissais pas la hanche. La nuque. Non, la nuque. Il a vu le...
Il a vu une. Il a atteint par prophétie une vision de la divinité très haute, mais évidemment que partielle. Voir la face. C'est vraiment. La face permet de voir très profondément. Comme je disais auparavant. Panim égale pnim. C'est l'expression de la profondeur. Il n'a pas pu voir vraiment toute la profondeur de Dieu. Il a vu que. Un reflet. Mais c'est une notion mystique, c'est pas qu'il a vu. Mais bien sûr, il a vu les cheveux de Dieu avec. Qu'il lui a coupé les cheveux longs ou pas. C'est pas comme ça que ça se passe. On comprend bien qu'on parle maintenant de voie de conduite. Dans à la veillée de Hoshana Rabba ou à Shavuot, on lit la Hadra. Hadra Rabba, Hadra Souta. C'est de la mystique juive, on comprend rien du tout. Mais c'est phénoménal, ils prennent les 13, articles, 13 attributs, c'est le Zohar, c'est une partie du Zohar. Ils prennent les 13 attributs de miséricorde de Dieu, Hachem, Hachem, Kel, Arachum, Hanun, Rabbaim, etc. Et ils expliquent. Chacun de ces termes-là, ils t'expliquent comme un corps. Un terme, ça correspond aux cheveux qui descendent, qui vont là. Après, un autre, c'est la barbe, l'autre, c'est la moustache, et l'autre, c'est ce qui descend, tac, tac, tac. Carrément, on te désigne un être humain. Alors, un être humain n'est pas un être humain, mais nous sommes faits à l'image de Dieu. Ça veut dire la conduite, les voies de conduite que Dieu a pour diriger le monde, nous sommes faits à cette image des voies de conduite. Et on en parle dans le Zohar de façon imagée, c'est un exemple d'exemple d'exemple, mais d'une réalité. Donc il y a une réalité de face de Dieu. Mais il n'y a pas, faut pas avoir d'image, c'est pas matériel, c'est clair. Il y a une réalité que nous on appelle, je vais donner un exemple. Est-ce qu'on peut donner une image à l'unité? Quelque chose qui englobe tout. Une foule qui crie. Je vous fais un signe assez... Un globe, une boule. C'est pas, la notion de... Hein, un globe... qui englobe tout, qui... Si je parle d'une notion maintenant, on parle d'une notion maintenant spirituelle, j'aimerais maintenant... Qu'est-ce que je veux faire? Je veux parler d'une notion spirituelle et vous montrer que quand on parle d'une notion spirituelle, il y a des images qui peuvent nous apparaître. Mais alors, un gosse, il va comprendre qu'il y a dans le ciel, il y a vraiment l'image. Un adulte comprend que l'image n'est qu'une image d'une notion beaucoup plus haute. Donner un exemple. Le meilleur exemple, c'est toujours parler de la femme. Je vois, c'est Chazal utiliser ça. Shir HaShirim, Cantique de Cantique, c'est une histoire d'amour, de la relation entre Israël et Dieu. Et en fait, le meilleur moyen, voilà. Quelqu'un dit à son fils, qui a 5 ans, « Sache, mon fils, que j'aime ta maman d'un amour ardent. C'est comme du feu. » Alors, le gosse, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le cœur avec du feu. Il y a du feu dans l'amour. Il y a des charbons ardents. Une colère chaude. J'étais bouillonnant de colère. Je prends un thermomètre. La température a monté, du type qui est bouillant de colère, c'est quoi bouillonnant? C'est où bouillonnant? Dans le corps, quelque chose qui boue? Vous voyez que nous parlons de notions abstraites, avec des exemples concrets. Comme ça fait le Zohar. Il y a parlé de notions abstraites, avec des mots concrets. L'homme qui est petit, qui n'arrive pas à comprendre qu'il y a de la spiritualité, qui n'a pas de forme, rien, 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 rien de forme, il va donner des images aux choses, et là, il se plante complètement. Celui qui est plus grand d'esprit déjà, il est capable de comprendre qu'on parle avec des termes concrets de réalités qui n'ont aucune concrétitude. Ça se dit, je pense. Non, concrétisation, c'est le faire concrétitude. Aucune concrétitude, je pense. Non? Il n'y a pas un risque, en fait, parce que la plupart des attributs en fait, qu'on prend pour désigner Dieu, ce sont des attributs souvent... sont en fait des attributs un peu humains. Que humains. C'est un risque, en fait. Enfin, on va définir Dieu comme un roi,
comme un roi qui peut être miséricordieux, qui peut absolument être colérique, enfin, tout ce genre de choses-là. Et toute cette définition, enfin, en fait, tous ces attributs vont donner l'image d'une personne. Donc, on s'éloignera de cette image d'identité absolue. La Torah est obligée de parler le langage le plus matériel qu'il puisse y avoir, pour qu'il y ait un accès à la Torah pour tout le monde. Maintenant, le problème est, tu grandis, et un beau jour, tu te dis, c'est des bêtises. On parle d'histoire de, comme une fois une femme séminaire m'a dit, c'est une sorte de schtroumpf. Réponse non. On parle de choses les plus hautes qu'il puisse y avoir, dans un langage de schtroumpf. Alors, le type qui est schtroumpf, il voit que c'est quoi le schtroumpf? D'accord. Les gens qui sont petits comme des schtroumpfs, alors ils voient des schtroumpfs. Le type qui est grand, mais pas suffisamment grand, alors il pense qu'on parle de choses. Le type qui est encore plus grand, il comprend que non, on a pris les choses les plus hautes, on les a habillées. L'exemple que je donnais, je crois qu'il est très bon. Quelqu'un qui bouillonne de colère, qui a un amour débordant. Ça déborde où? Combien ça a débordé? Est-ce qu'on n'a pas le choix? Pourquoi est-ce qu'on utilise des images comme ça? Mais comment tu veux parler de la divinité? C'est pas avec des noms, c'est pas avec des notions. C'est attends, comprends, ce sont pas des exemples creux. L'exemple pris par Hazal, il est la réalité la plus concrète, la plus proche de la réalité. C'est pas un mensonge, c'est vraiment comme ça. Il y a des choses que les gens peuvent tout à fait comprendre qui ne sont pas nécessairement des représentations humaines. Je sais pas, le vent, des choses comme ça, enfin, le vent, ouais. les forces, etc., sont des choses que même des gens assez limités peuvent comprendre sans qu'il y ait de représentation humaine. Bon, le vent, d'accord. C'est pas très spécial. Parle-moi d'une notion spirituelle. Mais on peut parler. On parle de justice, on parle de bienfaisance, on parle de royauté. C'est tous des notions qui sont spirituelles. Ce sont des attributs, d'une certaine manière, humains. La justice, etc., ce sont des choses qui ont trait à un comportement humain. Si on désigne, par exemple, Dieu comme une espèce de force rééquilibrante, c'est-à-dire si quelqu'un fait une avéra, eh ben, il va y avoir comme un contre-coup naturel qui va déséquilibrer ceci, c'est-à-dire à la fois une sorte d'équilibre physique naturel et un équilibre moral. Dieu est la force ou la force où, Dieu n'est pas. Explique-toi mieux. Dieu n'est pas l'équilibre. Dieu est celui qui va rééquilibrer. La force est toujours. Bon, très bien. Alors, très bien. Où est le problème à dire cela? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une autre image. Ce n'est pas une image purement humaine. J'ai compris. Alors, vu que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes faits à l'image de Dieu. Ça, voilà. Maintenant, est-ce que l'œil voit? L'œil ne voit pas. C'est le cerveau qui voit. Le cerveau ne voit pas non plus. L'œil, il imprime, la rétine reçoit, le nerf optique reçoit de la lumière de l'extérieur, traduit soit ça en signe nerveux, qui arrive dans le cerveau va hein, inverser l'image, va donner va faire des connexions maintenant de mémoire, cette image correspond à ça, donc ça signifie, etc., et transmet ça à quoi? À moi. Moi, je ne suis pas mon cerveau. Moi, je suis une volonté. C'est comme si maintenant, voilà, il y a la caméra. Et derrière la caméra, tu as un fil qui parle, qui arrive à l'ordinateur. L'ordinateur, il va retransmettre l'image qu'a pris la caméra. Maintenant, tu as quelqu'un qui... C'est un ordinateur. Tu as quelqu'un qui est derrière l'ordinateur, devant l'ordinateur et qui peut maintenant taper sur le clavier et modifier, peut répondre, peut changer. L'ordinateur, c'est le cerveau. La caméra, c'est l'objectif, c'est l'œil. L'ordinateur, c'est le cerveau. Mais l'interaction, réception, réponse, c'est le type qui est derrière. Le type, c'est moi. Moi, ce n'est pas un cerveau. Moi, j'ai un cerveau. Moi, c'est une... Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, moi, s'exprime par une volonté. Ça, c'est moi. Le moi le plus profond, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Cette volonté, elle est avant la pensée. Elle
s'exprime, elle se traduit en pensée. Je vais vous expliquer maintenant voir. Voir, ce n'est pas l'œil optique, ce n'est pas le nerf optique qui voit. Ni le cerveau, c'est moi. C'est moi. Moi qui ai pas une pensée, qui ai une réalité spirituelle. Maintenant, dans cette réalité spirituelle, il y a une notion qui s'appelle voir. C'est pas les yeux, c'est pas le cerveau, c'est bien plus haut. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends bien ce que je dis? C'est pas l'œil qui voit, c'est pas le cerveau qui voit, c'est moi qui, par le biais de cela, voit. Maintenant, moi aussi, je peux entendre. Moi, je peux vouloir. Moi, je peux vouloir être miséricordieux, vouloir être cruel, vouloir être juste, vouloir être roi, vouloir être caché, vouloir être. Tous ces vouloirs, ce sont des notions complètement spirituelles. Où elles ont leur source? Dans la spiritualité. Cette spiritualité, elle est à l'image. C'est une réalité concrète dans la spiritualité, d'accord, concrète, qui existe. Elle est à l'image d'une autre réalité beaucoup plus haute, beaucoup plus spirituelle, dans laquelle il y a aussi voir, entendre. On n'a pas appelé de façon arbitraire la main de Dieu, on appelle ça la main, ça on appelle l'œil, ça on appelle... Non, quand on parle en Torah de la main de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est pas une main. On va dire un exemple plus simple. Dieu voit. Dieu voit. C'est-à-dire que voit. C'est-à-dire que Dieu va actionner comme quand moi je vois. Ce n'est pas mon objectif œil qui voit, ce n'est pas mon cerveau qui voit, c'est la réalité spirituelle. Voit. C'est-à-dire que c'est spirituel. Comment est-ce que je dis? C'est complètement défait de matière. C'est pas dans la matière du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a voir dans la spiritualité. Donc s'il y a voir dans la spiritualité, il n'y a pas de problème qu'aussi la super spiritualité qui est Dieu, elle voit. En tout cas au niveau de son nom, au niveau quand on parle maintenant pas de l'infini. Pas dans le. Elle peut voir, elle peut entendre, elle peut voir la colère, elle peut vouloir, ne pas vouloir, etc. Miséricorde, chesed, voura, tiferet, toutes les différentes voies de conduite. Nous sommes construits, tout ce que nous avons. Au niveau du corps, au niveau de cette spiritualité, elle est à l'image de comment la divinité fonctionne. Dans la divinité aussi, il y aura voir, entendre, etc. Suis-je clair? Baruch Adonai, l'Omam Vahamei.